Assois-toi sur la tête des ennemis. Voilà. Maranatha. Est-ce que ce soir tu peux pousser un amen que tu n'as jamais donné à Jésus? Ton amen ne me réjouit pas ce soir. Écoute-moi bien. L'amen que tu as donné là, j'ai l'impression que tu l'as acheté à la pharmacie. Donne-moi un amen digne du nom de Jésus ce soir. Alléluia. Assois-toi. Alors, avant tout propos, nous voudrons dire merci au Seigneur. Et je veux bénir le nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour ce moment qu'il rend favorable. Effectivement, n'eût été sa grâce, nous ne serons pas là ce soir. Mais une joie m'anime. Comme d'autres pouvaient le dire, une immense joie. Ce soir, nous avons une sommité. Quelqu'un qui est d'une autre dimension. Dans un pays, il y a des gens qui ont tellement travaillé avec Dieu, ils deviennent des entités. Et ils sont une porte. Je n'ai pas dit une fenêtre. Une porte de bénédiction. Parce que c'est le voleur qui passe par la fenêtre. Toute bénédiction légale passe par la porte. Je voudrais simplement présenter cet homme. Ce monsieur que vous voyez là, vous me connaissez. J'étais quelqu'un de très compliqué, de fermé. Et je ne collaborais pas avec les hommes de Dieu. Pas parce que je n'avais pas, parce que avait beaucoup de choses qu'on entendait. Et ça fait que je me suis forgé une personnalité en cela. Mais je voudrais dire une vérité aujourd'hui pour que vous m'entendiez. Je suis converti à l'église Réveil, Côte d'Ivoire. Ensuite, Réveil plein d'évangiles. J'ai été baptisé par l'apôtre Oulu Samuel et mon père spirituel, Kofi Henry Fayol, l'apôtre Kofi Henry Fayol. Ma femme et moi, j'étais le président de la jeunesse de l'église Réveil, elle était ma trésorière. Yes. Hey! Meet the one. Meet the one. Pour ceux qui ont fait Gagnoua, on l'appelle la fille du maire. Yes. Le maire Nyoïté. Elle était au lycée, moi j'étais au collège Modène, à Gagnoua. Et j'étais le président, avant d'être président de la jeunesse de l'église Réveil, j'ai été responsable des commandos. Ensuite, responsable de l'évangélisation. Et j'ai été responsable de la délivrance. Et c'est par la suite, je suis devenu président de la jeunesse. Je n'ai jamais connu, mon micro s'il vous plaît, je n'ai jamais connu de jeunesse jusqu'à présent, je n'ai jamais fait la jeunesse. Toute ma vie a été à l'église. Je ne suis jamais sorti de l'église Réveil. La première fois que je sors de l'église Réveil, j'ouvre une église. Yes. Quand j'arrive à Béguin ici, il y a un homme de Dieu qui m'a accueilli, que je voudrais vraiment célébrer, qui était mon tuteur. C'est l'apôtre Aipo Salmon, qui est à Niangon. Maman Aipo qui chante là, son mari. C'est lui qui m'a hébergé. C'est lui avec lui j'ai travaillé. Et de chez lui, Dieu a permis que je sois à mon propre compte. Quand j'ai commencé l'œuvre du Seigneur, j'étais à l'église Réveil. Et quelqu'un m'a impacté. Il n'y avait pas de Facebook. Hein. Aujourd'hui, tu as Facebook et puis ça va vite.
ta renommée monte. Mais ces gens-là, ils n'avaient pas Facebook. Mais ils étaient dangereux. Yes. La renommée courait tellement sans Facebook. Come on. Je voudrais vous parler. Lorsque nous sommes convertis en 2021, au moment où nous devons vraiment nous accrocher, on apprend que le patriarche Papa Kaku est décédé en 2001. Et après, on a eu le bac. J'entends un mouvement qui se passe. Quelqu'un est en train de manifester l'onction. Il est en train d'opérer des miracles avec Jésus-Christ dans une dimension pas possible. Vous savez, je vous dis la vérité, à l'église réveil, on nous interdisait de regarder cela. Mais moi, il me cachait. Yes. On dit non, cela, il transporte les esprits, tout cela. Faut pas, ils vont nous contaminer. Non. Moi, je me cachais pour les regarder. Et lui particulièrement, il a influencé ma jeunesse. Hey. Power. Je me cachais pour écouter. À l'époque, c'était les cassettes là. Yes. Et j'avais les petits postes qu'on appelle Walkman, c'est ça, non? Voilà. Et je mettais les écouteurs dans mes oreilles. J'écoutais les prédications, les prophéties de Papa Kaku. Quand je quitte là-bas, je commence à me cacher pour regarder comment Papa Tomoro commence à exercer. Et je me cache dans la chambre. Je commence à dire, moi seul, je commence à prophétiser. Il commence à faire. Yes! Je commence à faire les mouvements, moi seul. Hey! Come on! Seul. Et je faisais l'exercice seul, moi-même. Je voudrais rendre ce témoignage. Yes. Pour ceux qui ne m'ont jamais connu, m'ont traité de missile alors que je ne suis jamais sorti du pays. Jamais. Pour ceux qui ne m'ont jamais connu, je n'ai jamais été, personne ne m'a imposé les mains. Jamais. Ni un Ghanéen, ni un Nigérien. Personne ne m'a imposé les mains. Quand je suis sorti de l'église réveil, la seule personne avec laquelle j'ai prié, c'est l'apôtre Aipo. Son petit frère est là. Il est ambassadeur. Hey. Power. John, tu peux te lever. Lui, yes, il me connaît. Come on. J'étais comment? Tout petit comme ça. Jeune. Mais très dangereux. Très. Hey. Alors, je suis en train de dire à quelqu'un, l'homme qui a influencé le Franck Maï que tu connais là. Yes, papa. Est là où nous sommes en ce moment-là. Hey. J'aime pas ta manière de dire, mais j'aime. On est au pays, on est au village. Le tonnerre va gronder. Yes. Yes, papa, explique les choses. Hey. L'homme qui a impacté, yes, ma jeunesse. Yes, papa. Et je me suis dit, j'entends qu'il s'en va jeûner dans la brousse. Il peut prier en langue jusqu'à le lendemain matin. Hey. Moi, je vais faire ça. Claire. Moi, je vais faire ça. On est, yes, témoin. J'ai soulevé mes enfants et dit alors. Yes. Hey. Ils sont là. Yes, on est témoin, papa. En plein brousse. J'ai commencé à prier avec eux dans, hey, la brousse. 4, 3 heures. 4 heures par jour. 6 heures par jour. 12 heures par de jour. De prière. Hey. Non-stop. Non-stop. Il pleut sur nous dans, hey, la forêt du Banco. De l'autre côté de l'usine. On est là. C'est là-bas que je dormais. Je voulais atteindre une dimension. Yes. Je me disais, ma jeunesse, je la donne à Jésus. Hey. Ces hommes-là, il faut que j'atteigne leur niveau. Yes. Il faut que j'arrive à un sommet. Yes. Il faut que dans ce pays, on entende parler de moi. Yes. Ils m'ont impacté. Yes. Et en me donnant à distance le secret. Yes. Que c'est le jeûne et la prière. Yes. Je veux qu'on s'éteigne debout. Hey. Non, papa. Hey. Toi et ta délégation, on va vous célébrer. Les bras, on va célébrer le. Hey. Écoutez-moi bien, à part toute modestie, en Côte d'Ivoire, personne ne m'influence. Jamais. Parce que je me connais. Hey. Personne. Et je n'appelle personne, papa. Jamais. Daddy. Hey. C'est avec mon cœur que je te parle. La copra, ça t'a braqué. Personne. Non, hey, on est au courant. Quand je prends le micro, les gens savent. Yes. Papa. Hey. Je voudrais te rendre l'ascenseur ce soir. Hey. Da bragode, da bragode. Power.
Je n'étais pas fréquenté directement. Mais à distance. Yes. Tu m'as impacté. Yes. Et je serai parmi des personnes qui vont t'honorer dans toutes les chaînes de télévision. Ça a commencé. Come on. Ça a commencé. Papa Kaku n'est plus vivant. Hey. Mais toi, tu es là. Hey. Et je crois en cela fortement que ce réveil-là ne peut venir que personne d'autre que toi. Yes. Daddy, merci pour ce que tu as été. Pour cette flamme que tu m'as donnée, l'amour. Yes. Ce sentiment d'aimer Jésus et de jeûner. Hey. Sans penser ailleurs, toucher à des choses compromises, à des choses bizarres, yes. Sortir pour aller se faire impacter ailleurs, pour aller se faire impacter par les Nigériens. Il y a Dieu en Côte d'Ivoire. Il y a Dieu en Côte d'Ivoire. Yes! Hey. Je voudrais te dire, c'est le fruit de ce que tu as fait à distance qui a fait moi ce que je suis. Oh, le prophète. Je vais te rendre cet hommage. Yes. Je vais te rendre cet honneur. Yes. Je voudrais te dire merci. Yes. Merci pour une bénédiction que tu as été pour nous et que tu es toujours. Yes. Nous voulons te recevoir. Yes. Yes. Aujourd'hui, Dieu a donné la place à Moïse. Il dit aujourd'hui, c'est toi qui es Dieu. On va le déménager un peu. Hey. C'est quoi ça encore, Major? Dieu lui-même dit, Moïse, aujourd'hui je ne suis pas Dieu, c'est toi qui es Dieu. Yes. C'est-à-dire que quand les gens disent on n'acclame pas les hommes, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Il y a des moments où Dieu lui-même permet qu'on acclame nos voix, on honore ses serviteurs. Yes. Nous voulons te, on veut t'honorer avec toutes nos forces. Yes. On ne va pas attendre que Dieu te prenne d'abord. Jamais. Ton vivant, tu mérites cet honneur. Yes. Ce respect. Yes. Avant que tu ne prennes le micro, je voudrais te dire merci. Yes. Tu as influencé ma jeunesse. Yes. Tu as influencé ma jeunesse. J'ai pas connu les bois de nuit. J'ai pas connu les maquis. J'ai pas connu les amusements. Je me suis concentré sur l'évangile depuis la quatrième jusqu'à l'université. Yes. Je vais te dire merci. Peuple de Dieu. Hey. Hey. Tu vas donner un amen plus fort. Hey. Amen. Yes. C'est encore faible. J'ai dit, c'est trop faible. C'est encore faible. C'est faible. Yes, oh papa. J'ai dit, tu vas donner un amen plus fort et avec des offenses. Amen. Yes. Merci beaucoup, papa. Yes. Je voudrais simplement. J'ai entendu ce jour-là pour que tu consacres ma fille. Yes. Pour que tu la bénisses. Ah! C'est prophétique. J'ai entendu ce jour-là pour que tu bénisses ce peuple. Yes. Nous sommes en tes mains. Je sais qu'en partant d'ici, l'atmosphère de ce lieu, notre vie, la vie de ce peuple va changer. Prophète. Wow. Parole de prophète déjà. Je suis convaincu. Yes. Hey. Et tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Yes. Tous ceux qui passeront autour. Yes. Parce que cette onction, si elle m'a impacté. Hey. Et que moi j'ai impacté des gens. Hey. Et que l'onction qui m'a impacté est là. Hey. Je crois que c'est fini. Prophète. Power. Je voudrais simplement t'appeler à ce pupitre, papa. Avec hey. Tous mes honneurs. Yes. Et considération. Hey. Maman, merci beaucoup. Pour cette bénédiction, tu as été pour notre papa. Yes. Merci beaucoup. Pour l'intercesseuse que tu as été. Que Dieu te le rende au centuple. Sachez que je suis avec vous. Et peut-être que c'est vous qui allez être découragé de me voir. Hey! Come on, papa! Vous allez vraiment dire, ah, on n'a pas vu le fils, mais lui là, il est vraiment gênant. Parce que je suis très coulant. Hey! Merci beaucoup, papa. Alors, peuple de Dieu. Yes! On va acclamer le Seigneur. Pendant que papa vient à la chaîne. Hey! Yes!
Wow. Ce que je viens d'entendre me pousse à... Je sais même pas, j'ai pas de mots. Ça me pousse à parler seulement en langue. Mayanda Shikirobo Shikaba Sayando Bush Rakababa Sayando Robo Shikirini Bush Shikira Bright Rikababa Sayando Robo Rakaba Rayando Bush. Allez-y voir. I am Soko. Yes. Demandez à frère ou fouet. On vous dira. Il est où? C'est ici que repose son âme. Vas-y, vas-y. Allez-y voir en Amérique. Demandez à Père Kennedy. Hey! On vous dira Kennedy. Est-ce que tu peux lever les mains pour l'adorer ce soir? Ça, il est ressuscité, il est plus dans le corps. Il est plus dans le corps. Alléluia. 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 Amen. Est-ce que tu peux donner gloire au ressuscité? Acclame très fort Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut s'asseoir dans la présence et dans la grâce de Dieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Dis à ton voisin. Aujourd'hui, c'est la résurrection. Alléluia. Alléluia. Amen. Je suis tellement béni d'être là. Je suis content, béni d'être là, ici, à l'église évangélique, la montagne des oliviers. Amen. Est-ce qu'il y a un olivier ici? Hey! On n'a pas entendu. Est-ce qu'il y a un olivier ici? Yes! J'entends pas bien. Je dis, est-ce qu'il y a un olivier ici? Mm-hmm.
Amen. Je suis très béni, très honoré d'être là. Alléluia. 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 T'as dit, moi, je ris pour ce que je vais dire. Amen. Cet homme de Dieu que vous avez, peut-être que vous voyez tous les dimanches, ou bien à tous les programmes, à toutes les veillées de prière. Peut-être que vous appelez prophète, pasteur, daddy, papa. Vous êtes peut-être proche ou juste membre de l'église, ou bien peut-être invité pour la toute première fois. Mais cet homme, je l'ai vu dans le monde spirituel. Il est plus que ce que vous voyez. Un jour, vous savez que il y a longtemps que j'ai quitté le pays. Et dans mes temps d'édification, j'étais en train de regarder certainement les hommes de Dieu sur la Côte, les hommes de Dieu de la Côte d'Ivoire. Et puis je suis tombé sur une vidéo, je pense que c'était à travers Béni TV. Et j'ai vu un jeune avec une onction différente des autres. Quand j'ai regardé, j'ai dit waouh. Quand je le voyais dans l'exercice du ministère, je voyais exactement moi-même en manifestation. J'ai regardé, j'ai dit, mais qui me ressemble comme ça? Est-ce qu'on se connaît? Et l'Esprit de Dieu me dit, il faut que tu l'aides. J'ai dit, ok, Dieu permettra qu'on se rencontre un de ces jours. Et une fois, je suis passé à Béni TV pour gérer des programmes que j'avais prévu faire. Et puis on se croise. Dès qu'il me voit, automatiquement, il y a comme une connexion. Et de manière étrange, il me regarde et puis il se prosterne et il dit papa. Je dis waouh, est-ce qu'il me connaît? Bon, moi je l'ai déjà vu sur comme on appelle ça, sur Béni TV, avec une onction grave. Je dis waouh. Je dis ok, certainement. Et j'ai dit comme ça, je sais pas exactement. On s'est dit simplement on va se revoir. J'ai vu en lui une humilité extraordinaire. Je sais pas comment, si vous avez remarqué ça, mais j'ai vu une humilité surnaturelle. Et voici que Dieu, faisant bien les choses, Dieu me donne une vision pour le réveil spirituel de la Côte d'Ivoire. Je rends l'histoire courte et voici qu'on se reconnaît. Et Dieu lui parle et Dieu me parle. Et ensemble, on est en train de porter un fardeau pour le réveil spirituel de la Côte d'Ivoire. Yes. Cet homme que vous voyez, si vous l'attaquez, vous m'attaquez. Non, je viens vous dire en même temps. Come on, daddy. Cet homme que vous voyez. Yes. Je deviens l'ennemi de ses ennemis et l'adversaire de ses adversaires. Le patriarche en train de parler. Cet homme que vous voyez. Yes. Lui, son épouse, sa famille deviennent ma famille. Ils sont ma famille. Nous les avons déjà adoptés. Yes. Parole de prophète. Cet homme que vous voyez, Dieu m'a dit de le couvrir. Dieu m'a dit de comment on appelle ça? Je cherche des mots en français. Non, protéger c'est faible. D'être sa couverture.
Dieu m'a dit d'être sa couverture. Donc ça veut dire que l'église évangélique, la montagne des Oliviers, c'est ma maison. Yes. Je viens vous dire que ici je ne suis pas un invité. Hey. Ici je suis chez moi. Yes. Amen. Allez dire que le prophète Domoro dit que le prophète Franck Maï c'est son fils. Hey. Ils ont déjà entendu papa. Yes. Si tu te lèves contre mon fils, tu t'es levé contre ma femme, tu t'es levé contre moi. C'est fort. Amen. 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 Nous avons la vision du réveil. Écoutez, il y a des personnes ici en Côte d'Ivoire que Dieu est en train de susciter, mais qui n'ont pas touché à autre chose. La seule chose qu'ils ont touché, c'est la prière, le jeûne et la puissance du Saint-Esprit. Yes. Voici un. Yes. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux t'honorer, mon fils. Ma fille, tu as une bénédiction extraordinaire. Tu as soutenu cet homme. Tu as soutenu sur tes épaules le poids de l'église, le poids du ministère. Je sais que le ministère, ce n'est pas facile. Il y a des coups, des attaques, des incompréhensions, des rejets. Mais vous avez tenu et vous avancez avec le Saint-Esprit. J'aimerais qu'on se tienne debout ensemble pour honorer, ovationner, yes, bénir le prophète Franck Maï et son épouse. Alléluia. Acclame très fort le Seigneur. Si tu ne le fais pas, c'est que je te soupçonne de sorcellerie. C'est faible, c'est faible, c'est faible. Acclame très fort. Acclame très fort. Hey. Yes. Hey. Yes. Yes. Ce qui veut dire que si eux sont mon fils, vous êtes mes petits-enfants. Yes! Est-ce que quelqu'un a entendu? Yes! Si eux sont mes enfants, vous êtes mes petits-enfants. Yes. Parole des prophètes. Est-ce que quelqu'un peut dire, d'accord, on a compris, grand-papa. D'accord, on a compris, grand-papa. Pépé. Alléluia. Pépé. Juste pour vous dire que je vous aime très fort, vous êtes des bénédictions extraordinaires. Fils, tu ne me dérangeras jamais. À tout moment, dérange-moi même. Dérangez-moi, dérangez-nous. Come on. Dérangez-nous. Come on. Ma fille, je te confie à ta maman. C'est une femme extraordinaire, c'est une conseillère extraordinaire. Yes. Mais surtout, comme tu aimes la prière, c'est une femme de prière. Elle prie plus que moi. Souvent même, moi-même, ça me gêne. J'ai dit, tu ne dors pas. Quelle histoire. Prie son mort. Hey. Je te la confie. Come on. Enfin, je te... Comment on dit ce français là? C'est qui a su confier vous là-bas? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu aimes ton pasteur? Yes. Hey. L'une des clés pour rentrer dans la promesse et dans la bénédiction, c'est d'aimer Dieu et d'aimer son pasteur. Yes. Yes, parole des prophètes. Alléluia. Amen. Et cet homme est un ange pour vous et pour votre bénédiction. Amen. Acclame très fort le Seigneur pour cette onction. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Acclame fort le Seigneur pour cette onction. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. On peut s'asseoir. Mes enfants, asseyez-vous. Asseyez-vous. Ici, le culte finit à quelle heure? En l'ensemble. Ça finit à quelqu'un dit à minuit. Amen. Alléluia. C'est pour moi une joie avant de commencer. Une joie et une bénédiction de présenter à l'Éternel en ce jour de Pâques, en ce jour de résurrection, un don qui a été apporté à la famille prophétique. Une bénédiction. Dieu nous a bénis d'une fille
pour maman et moi d'une petite fille que nous allons dédier, consacrer au Seigneur. Et l'onction et la bénédiction de ses parents va tomber sur eux, sur elle. Je veux qu'on nous emmène ici ma petite fille Mirab Rouchama Rod Maï avec ses parents et que le peuple de Dieu les accueille. Yes. Mayanda Shakabara Tosi. Je reçois. Rika Baba Sikiri. Je reçois. Mayanto Sikiri Maché. Je vais demander à votre mémé de prendre cette bénédiction. Elle est tellement jolie, tellement belle. Amen. Alléluia. Merci Père. Alléluia. Peuple de Dieu, on va se tenir debout et tendre les mains vers ce bijou, vers Mirab. Et pendant que tu étends ta main, si tu es stérile, la stérilité part. Dans les 9 mois qui arrivent, toi tu vas accoucher des triplés. Si tu as des problèmes de fibromes, ça va partir en même temps. Ta délivrance va commencer. C'est l'onction qui est sur le bébé qui est en train de se manifester sur parole des prophètes. Alléluia. Alléluia. Merci Père pour ta grâce, pour ta bénédiction sur ma petite fille Mirab. Et Père, merci pour ce beau cadeau que tu apportes Père à cette famille prophétique, à ce groupe prophétique. Je déclare dans le nom de Jésus qu'elle est scellée par le sang de Jésus, condamné au succès, condamné à la réussite, condamné à l'élévation. Dans son sang, son ADN coule l'élévation. Que la maladie ne la touche pas, que les accidents ne la touchent jamais, que les problèmes ne puissent pas la toucher, mais que sa vie depuis son enfance jusqu'à ses études soit des temps de bénédiction. Qu'elle soit la tête et jamais la queue. Qu'elle soit toujours en haut et jamais en bas. Qu'elle soit toujours première et jamais dernière. Je prophétise et je déclare. Le succès la poursuit. La bénédiction la persécute. La grâce et l'onction du Saint-Esprit se manifestent sur elle. Amen. Que déjà de son bas âge, qu'elle commence à avoir des songes et des visions. Des rencontres surnaturelles avec le Saint-Esprit. Amen. Que les anges soient ses amis. Amen. Qu'elle entende la voix de Dieu. Yes. Qu'elle entende la voix de Jésus. Yes. Et que le Saint-Esprit commence à lui révéler des choses. Amen. Qu'elle commence déjà dès son bas âge. Amen. À marcher avec le Seigneur. Amen. Et à être un témoignage extraordinaire. Amen. Je déclare que tu es béni dans le nom de Jésus. Je te à l'Éternel. Amen. Et l'onction est sur toi. Yes. Et pendant que je bénis dans le nom puissant de Jésus, yes, Mirab, je déclare la bénédiction sur ton serviteur, yes, sur ta servante, yes, au nom de Jésus. Amen. Je déclare la grâce et la victoire. Come on. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Yes, Lord. Yes, Lord. Merci, Saint-Esprit. Tu sais, prophète, par éthique et par, je pense, par humilité aussi, je n'aime pas prophétiser en public quand c'est des autorités spirituelles, entités. Ce que je fais, comme je l'ai fait la dernière fois, j'aime parler dans le secret. Pour ne pas peut-être dévoiler certaines choses ou exposer certaines choses. Mais ce que je vois pour ma fille, c'est autre chose. Il faut que je le dise en public. L'Esprit de Dieu me dit que à partir du 11 mai, le 11 mai prochain. Ça c'est fort, hein? À partir du 11 mai prochain, tu rentres dans une dimension prophétique. C'est sa date d'anniversaire. Hey, tu as fait comment? Tu rentres où on ne pourra pas t'attraper. Come on. Elle est terrible dans le prophétique. Yes.
Elle est terrible dans les visions et dans les songes. Il y a un discernement des esprits surnaturels avec toi. Il y a des gens que tu vois. Tu dis à ton mari, chérie, ne marche pas avec lui. Yes. Mais nous les hommes souvent, on aime les preuves. On a besoin de preuves parce qu'on est logique. Elle a un discernement terrible. Si elle te dit marche avec lui, il faut marcher avec lui. Si elle te dit lui là ou bien celle là, il faut faire attention, il faut faire attention. Mais Dieu est en train de la susciter pour lever une armée de prophétesses en Côte d'Ivoire. Tu fais partie de l'armée des femmes. Parce qu'on a beaucoup négligé les femmes. Mais Dieu me charge de te dire que tu rentres dans une dimension. Quand je la vois, je vois Catherine Coleman. Je vois une femme avec une onction puissante et terrible. Comment on a dit? Qui se dégage. Yes. Ma fille, Dieu me charge de te dire, et je dois le dire en public. Comment? Dieu me charge de te dire, à partir du 11, débrouille-toi, fais un temps de jeûne avant ton prochain anniversaire. À partir du 11, il y a une onction terrible qui tombe sur toi. Yes. Il y a une onction surnaturelle qui tombe sur toi, qui va apporter une confusion dans le camp de l'ennemi. Loi et la grâce de Dieu se manifeste. C'est ta saison. C'est ta saison. Et pendant que je parle pour elle, pendant que je la bénis, il y a des femmes, il y a des servants de Dieu ici. À cause de l'onction qui est sur elle. Yes. Cette même onction est en train de se libérer sur vous. Comment? Dieu me charge de vous dire que c'est une saison. C'est une saison où Dieu lève une armée de femmes puissantes. Yes. De femmes surnaturelles. Yes. De femmes de miracles. Yes. De femmes d'onction. Yes. De femmes prophétiques. Yes. De femmes prophétiques. Yes. Il y a une grâce. Dieu t'a parlé déjà. Come on. Le Saint-Esprit t'a dit de te connecter au prophète. Hey. Le Saint-Esprit t'a dit de te connecter à la servante de Dieu, à la Come prophétesse. On. Cette onction est en train de tomber sur toi. Hey. Aidez-les. Je vois des femmes de Dieu qui se lèvent avec une onction terrible. Yes. Une onction surnaturelle. C'est votre saison. Hey. On ne peut pas t'arrêter. Je sais que la sorcellerie avait décidé de te bloquer. Je sais que la sorcellerie avait décidé parce que la sorcellerie a tellement peur de ce que tu es en train de devenir. Yes. Mais l'onction de Dieu est sur toi. Come on. La grâce de Dieu est en train de se manifester sur ta vie. Yes. Tu es connecté à cette onction et tu marches dans cette onction. Ma fille, Dieu me charge de te dire, lève-toi, n'aie pas peur. Ne te limite pas, ne laisse pas la peur, la honte, la timidité. Parce que je vois la timidité qui essaie de te dire non, je vais faire des erreurs. Non, je ne suis pas. N'attends pas d'être parfait. Dieu veut t'utiliser maintenant, tout de suite, là. Commence à te préparer. C'est fort, c'est fort. Commence à faire des programmes. Hey. Tu n'as pas besoin de ton mari. Hey. Commence à te lever. Dieu est déjà de te dire, lève-toi. Commence à préparer déjà. Vous les servants de Dieu qui m'écoutez. C'est votre saison. Yes. C'est votre saison. Yes. Que tu sois marié ou pas. Yes. Que tu sois femme de prophète, femme d'apôtre, femme de pasteur. Ne cache pas ton ministère devant tes terres. Hey! Lève-toi. Yes. C'est ta saison. Yes. Aidez quelqu'un. Il y a une personne. Cette onction grave est en train de tomber. Ma fille, c'est ta saison. Je veux te voir exercer. Je veux te voir opérer. Yes. Je veux te voir manifester. Yes. Tu es trop longtemps resté caché derrière. Dieu me charge de te dire, c'est l'heure. Dieu me charge de te dire, my God, il y a eu comme un shift. Je ne sais pas, de consécration de bébé, c'est devenu maintenant bénédiction ou bien parole prophétique sur maman. Je déclare, dans le nom puissant de Jésus. Yes. S'il y a un problème, come on. Si les gens t'attaquent, hey. Si on te dit la femme ne peut pas prêcher, come on. Si on te dit que tu je suis là pour te couvrir. Yes. Maman est là pour te couvrir. Yes. Le Saint-Esprit est là pour te couvrir. Come on. Ton mari lui-même, il a ton soutien. Mais je déclare dans le nom puissant de Jésus, c'est ta saison. C'est ta saison. C'est ta saison. Yes. L'onction que je vois en toi est trop forte. Cette onction ne peut pas être cachée. La venue de Mirat est un signe. Yes. C'est-à-dire, après ça, tu rentres maintenant plein dans le ministère. Yes. Après Mirat, tu rentres dans le ministère. Ne t'arrête pas. Hey. Ne t'arrête pas. C'est un signe. Dieu me dit que après elle, c'est bon.
rentre dans le ministère. Yes. Rentre dans le ministère. Rentre dans le ministère. Quand tu vas rentrer, ce qui était bloqué concernant la vision, je parle prophétiquement. Là, je suis obligé de mettre en code et de cacher les choses. Ce qui était bloqué, ce qui attendait, ça va se débloquer en moins d'un mois. Yes. C'est Jesus. Toi que la vision attend. Yes. C'est toi que la vision attend. Yes. C'est toi que la vision attend. Yes. Parfois, Dieu bloque des choses chez l'homme de Dieu parce que Dieu attend la femme pour se lever. Hey. Et je te parle prophétiquement, c'est ta saison. On t'attend. Moi-même, je t'attends, ma fille. Moi-même, je t'attends. My God, my God, my God. My God. Merci, Saint-Esprit. Je libère, Seigneur, ta grâce. Je ne sais pas, Seigneur Père, comment tu me conduis, comment tu fais les choses. Mais prends le contrôle. Utilise-la comme jamais une femme n'a été utilisée dans cette nation. Manifeste ta gloire. Manifeste ta grâce. C'est ta saison, ma fille. C'est ta saison, ma fille. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas comment Dieu est en train de faire les choses. Mais fils, tu voulais dire quelque chose? Ah bon? Donne-lui le micro. Elle a pris la résolution de dire que cet enfant est le dernier. Mm-hmm. Et même avant qu'elle ne tombe enceinte, il y a une fille qui est dans l'église qui a dit, vous allez avoir un enfant. Mm-hmm. Et la fille là, elle sera une source de bénédiction. Après elle, les choses vont se débloquer financièrement dans votre My vie. God. Et elle-même, la fille même, elle est jusqu'à la tombe l'onction. My God. My God. C'est ce que c'était j'ai vu. C'était extraordinaire. Tout ce qui a été dit, c'est ce qu'elle a décidé. Elle dit, après le 11 mai, elle rentre en jeûne. Le 11 mai, c'est sa date d'anniversaire. C'est sa date d'anniversaire. Wow. Wow. Ma fille, Dieu est en train de te parler. C'est des signes, donc c'est des confirmations. C'est pas croyable. C'est des confirmations. Peuple de Dieu, dans cette atmosphère, yes. On se tient debout. Sans transition aucune. Tiens-toi debout et puis lève tes mains. Il y a une onction surnaturelle en ce moment. Je veux garder ma mirabe avec moi. Donc, maman, je vais te fatiguer. Tu vas rester un peu avec moi. On lève les mains vers le Seigneur. Saint-Esprit de Dieu. C'est une saison. Il y a des personnes ici en ce moment. Ceux qui l'onction est déjà en manifestation. Il y a des personnes qui sont des surnaturels. Il y a des fils et des filles de prophètes en ce lieu. Seigneur, quiconque sous ton onction en ce lieu, je déclare dans le nom de Jésus ta grâce et ta gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant qu'on a les mains levées vers le Seigneur, il y a des personnes ici, avant même qu'ils ne soient dans le sein de leur mère, Dieu les connaissait. Avant même qu'ils ne naissent, yes. Ton Dieu t'avait mis à part. Il t'avait consacré. Il y a une huile et il y a une onction terrible et surnaturelle sur ta vie. Aujourd'hui, je viens confirmer la grâce et l'appel de Dieu sur ta vie. Il y a une femme avec une onction prophétique. Dieu est en train de libérer sa grâce. Il y a une personne ici dont Dieu t'a oint dans la délivrance. Au fait, les attaques et les oppressions que tu subis, c'est à cause de l'onction de délivrance sur ta vie. Yes. Donc la sorcellerie a des problèmes lorsqu'elle te voit. Come on. Tu es un instrument de délivrance. Hey. Une autre personne me révèle l'Esprit du Seigneur. Pendant que je parle, tu sens l'onction, le feu sur ta tête et dans tes mains. Tu es oué par la puissance. Hey. Une autre personne est là. Le Saint-Esprit t'a oué. Le Saint-Esprit t'a connecté à cette dimension prophétique. Yes. Tu fais partie de l'armée de Dieu dans les derniers temps. C'est pour cela que tu fais partie des oliviers. Yes. Pendant que je parle, la gloire et la grâce de Dieu se manifestent sur ta vie. Tu es un instrument de gloire, tu es un instrument de puissance. Yes. Mais je déclare dans le nom de Jésus, là où la sorcellerie t'avait bloqué, t'avait lié, les chaînes sont en train de tomber. Je vois une autre personne. Come on. Le diable avait décidé de libérer un esprit de mort contre ta vie. Un esprit de mort contre ta famille. Mais Dieu fait de toi le terminus de la malédiction dans ta famille. Yes. Pendant que je parle, come on. La gloire de Dieu est en train de se libérer maintenant même. Hey. Une autre personne me révèle l'esprit de Dieu. Come on. Oh, sa grâce et sa main puissante, tu la sens sur ta tête. Yes. Tu la sens sur ta tête. Yes. Tu la sens sur ta tête. Aidez quelqu'un à ma droite. Quelque chose se passe. Ton Dieu
Dieu me charge de te dire, homme de Dieu, ma main est sur toi. Quelque chose se passe. Yes. Il y a une personne, tu as décidé et tu as dit, Seigneur, je ne veux pas partir d'ici ce soir sans mon miracle. Sans mon miracle. Yes. Sans mon miracle. Yes. Ainsi parle Dieu. Yes. Ta saison de miracle est arrivée. Amen. Pendant que je parle, la gloire de Dieu est en train de se libérer maintenant même. Tu reçois sa grâce. Come on. Tu reçois le miracle. Tu reçois la grâce et la bénédiction. C'est une saison de guérison maintenant même. Il y a une personne, tu es là. Comment? Tu es venu avec un mal. Tu es venu avec une maladie. Yes. Une maladie qui se manifeste depuis ton dos. Comment? Jusqu'à ton ventre. Comment? Mais je parle par l'esprit. Yes. Le Dieu de miracle. Hey. Le Dieu de guérison. Yes. Le Dieu de délivrance. Yes. Le Dieu de la résurrection. Yes. Se manifeste pour Come toi. Se manifeste pour toi. Hey. Se manifeste pour toi. Yes. Se manifeste pour toi. Hey. Maintenant même. Come on. Jesus. 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 Il y a des liens qui tombent. Yes. Il y a des esprits qui sont déstabilisés. Yes. Je vois les sorciers de ton village. Hey. Commencer à courir et commencer à paniquer. Come on. Parce qu'il y a un feu dévorant qui sort de toi. Yes. Il y a une gloire puissante qui sort de toi. Come on! Le surnaturel entre dans ton naturel. Amen. La gloire de Dieu te visite maintenant même. Amen. Et que ma seque le monde. Et que ma hache. Oura rababoshi. Et que ma hache. Itaka taka taka yata. Hey! Prisca, my God, my God. Prisca, va prendre le micro. Come on, ma bouche. Chante-moi ce cantique. Hey, quelque chose se passe. My God, my God, my God. Il y a une personne ici, yes, qui va vivre un miracle surnaturel. Hallelujah! Un miracle surnaturel. Yes. Hey, que le bon c'est. Vas-y avec le Dieu des esprits. Come on. C'est que l'homme. Si les dieux des esprits, des prophètes me touchent, j'entendrai, yes, je verrai comme jamais. Comment, vas-y, si le Dieu si les dieux des esprits, des prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Il y a une vision prophétique qui se libère. Si les dieux des esprits, ça c'est le droit de Dieu.
C'est l'heure de ton miracle. C'est l'heure de ton miracle. C'est l'heure de ton épikaïso. Épikaïso, c'est le niveau le plus élevé de la puissance de Dieu sur la terre. Quand l'ange Gabriel parle à Marie, il dit c'est épikaïso qui va couvrir, qui va permettre que de manière miraculeuse et surnaturelle, tu vas enfanter. Shéga. Et puis Kaïso a commencé déjà à ma gauche. Ça veut dire l'ombre du tout-puissant. Le plus haut niveau de la puissance de l'onction de Dieu. Quand Jésus est transfiguré, il est dit que c'est Epikaïso qui descend et qui libère la puissance de Dieu. La même expression Epikaïso est utilisée dans Actes chapitre 5 verset 12. Yes. Quand Pierre marche dans les rues de Jérusalem, come on. Pierre a été tellement connecté à l'Epikaïso que lui-même il est devenu Epikaïso. La Bible dit le Epikaïso, l'homme de Pierre, couvrait les malades et les malades étaient guéris. Il y a une onction surnaturelle que tu n'as jamais expérimentée. Yes. Qui est en train de te visiter. Que tu sois paralytique. Comment? Que tu sois diabétique. Yes. Quel que soit le problème que tu traverses. Comment? Il y a un niveau d'onction qui descend. Aider des personnes. Je sens une onction descendre sur des personnes. Je sens une onction et puis Kaïso descend sur les personnes. Tu rentres en contact avec ton niveau de résurrection. Quelque chose se passe pour toi. Quelque chose se passe pour toi. Ça commence. 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 Ça commence, ça commence, et qu'est-ce que ça commence? Ça commence, ça commence, ça commence, ça commence, ça commence, ça commence. À un certain niveau, la sorcellerie m'a dit ça, je peux pas. Quelque chose se passe maintenant. Quelque chose se passe maintenant. Come on! Quelque chose se passe. Yes, Annie. Dans le nom de Jésus. Yes, Annie. Dans le nom de Jésus. Yes, Annie. Ça, c'est le doigt de Dieu. Merci, Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu me dit qu'il y a une armée prophétique ici. Il y a des servantes de Dieu, il y a des serviteurs de Dieu qui se connecte avec le plus haut niveau de la puissance de Dieu. Come on. Tu as dit, Seigneur, je suis fatigué de mon niveau. Oh. Je veux rentrer dans une onction que je n'ai jamais expérimentée. Yes. Tu as dit, Seigneur, je suis fatigué de cette oppression. Je me connecte, Seigneur, à l'onction du prophète Frank Maï. Et j'ai besoin, Père, de l'onction qu'il manifeste. Pendant que je suis en train de parler. Yes. Quelque chose a déjà commencé en toi. Mais aujourd'hui, c'est un autre niveau. Yes. L'onction du Saint-Esprit est en train de descendre sur ta vie. Amen. Je m'adresse à une catégorie de personnes à qui Dieu parle en songe et en vision. Amen, daddy. À qui Dieu se révèle. Yes. Mais la sorcellerie a décidé de bloquer vos dons prophétiques. Amen. La sorcellerie a décidé de bloquer votre onction et vos grâces. Je m'adresse à une catégorie de personnes ici.
sur lesquels l'onction prophétique avait commencé à se manifester et c'est ta saison. Pendant que je parle, aidez-les de ma gauche jusqu'à ma droite. Il y a un vent d'onction, un vent de miracle qui a commencé. Des personnes vont courir dans tous les sens à cause de l'onction du Saint-Esprit. Yes. La gloire de Dieu aidait une personne. La personne risque de tout casser ici. Quelque chose est en train de se produire. C'est ta saison d'explosion. Yes. Tu es en train de passer d'un niveau à un autre niveau. Come on. D'une dimension à une autre dimension. Yes. Le Saint-Esprit me charge de te dire que ta présence ici en ce lieu détermine déjà ton futur. Hey. Tu n'es pas là au hasard. Tu es connecté à la bonne source. Tu es connecté à l'endroit de la victoire. Yes. Ce lieu est le lieu de l'expérience surnaturelle. Amen. Le lieu de la chambre, c'est ta chambre haute. Yes. C'est là où tu rencontres le divin. Come on. Où le divin commence à embrasser le naturel. Yes. C'est le lieu de ton miracle. Come on. Pendant que je parle, quelque chose est en train de saisir. Il y a une dimension, il y a une grâce qui saisit une personne. Reçois la grâce. Yes. On s'assoit dans la présence et on laisse le Saint-Esprit continuer son œuvre. Make it about. Hey, come out. Ça, c'est le doigt de Dieu. 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 Oui, ça, c'est le doigt, le doigt, le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu. Ça, c'est le doigt, le doigt, le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu. Et puis Caïso, l'ombre de tout puissant, même la mort va crier. Ça c'est le doigt de Dieu. Et puis Caïso, l'ombre de tout puissant, même la mort, la maladie, la stérilité. Alléluia, alléluia, c'est ta saison de miracle, yes. C'est ton temps de miracle. Je ne sais pas à quel on finit, donc je suis en train de voir s'il faut prêcher ou bien s'il ne faut pas prêcher. On finit à quel en principe? 20h. Yes, alléluia. Je veux déclarer la grâce, la bénédiction. Aujourd'hui, Jésus est ressuscité. Amen. Il a vaincu la mort. Amen. Il a vaincu la maladie. Yes. Il a vaincu la situation. Yes. Et il change ta situation. Amen. Il transforme ta situation. Amen. Il transforme ta situation. Amen. Il transforme ta situation. Amen. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire ici. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire ici. Il y a une personne ici, je sens une onction. Il y a une personne ici avec un mal au niveau de ta jambe. Tu as du mal à marcher, tu as du mal à... Tu es venu en boitillant, en tendinant. Je sens cette guérison, je sens cette atmosphère ici. Lève-toi, maman. Il y a une personne concernée, lève-toi, maman. Quelque chose se passe pour vous deux. Oui, marche, je vais voir comment ça se passe. Ça fait mal. Oui, viens. Viens. Ça, c'est le doigt de Dieu. Marche. Ça fait mal. C'est depuis quand? Ça a duré, maman. Ça a duré. Marche. Marche. Arrête-toi-même. Arrête-toi, maman. Je vais te demander de faire une chose. Comment tu t'appelles, maman? Ok. Je veux que tu ailles jusqu'à l'homme de Dieu. Hein, maman? Ce que je vais te demander là est difficile. Mais si tu peux faire ça, toi-même tu vas voir le résultat.
Va maman vers l'homme de Dieu, vers le prophète. Et puis nettoie sa chaussure. Et puis tu reviens. Ça, c'est le toit. Le toit de Dieu. Ça, c'est le toit de Dieu. Ça, c'est le toit de Dieu. Elle a une foi extraordinaire. Ça, c'est le toit de Dieu. Ça, c'est le toit de Dieu. Jesus. Ça, c'est le toit de Dieu. Lève-toi maintenant. Viens, marche, viens. Regarde ce qui se passe. Jesus. Fais tout ce que tu ne pouvais pas faire. C'est Jésus. Jesus. C'est Jésus. Jesus. 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 C'est le toit de Dieu. Problème pour marcher ce soir, levez-vous. Yeah, le doigt, le doigt de Dieu. Qui en a problème pour marcher, levez-vous. Yeah, yeah, Jesus. Yeah, tu vas voir le ressuscité, le Seigneur. Yeah, le doigt de Dieu. Yeah, ça, c'est le doigt de Dieu. Yeah, 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 le doigt de Dieu. Comme tu es la deuxième personne, yes, de manière spéciale, je veux que tu marches et puis va vers maman cette fois-ci, vers maman Marie, va vers elle. Hey, je sais pas ce que tu vas faire, mais connecte-toi à elle. Quelque chose se passe. Dans la Bible, il y avait une femme. Yes. Qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Come on. Vous connaissez son histoire. Yes. Elle n'avait pas pris rendez-vous avec Jésus. Elle n'était pas dans le programme de Jésus. Elle n'a pas reçu le consentement de Jésus, l'accord de Jésus pour recevoir un miracle. Jésus, humainement parlant, ne savait même pas que quelqu'un arrivait. Jésus avait un programme. Il partait faire le ministère dans la maison d'un homme. Mais cette femme n'était pas dans le programme de Jésus. Yes. Elle s'est faufilée. Hey. Elle a touché le bord de son vêtement. Yes. Quand elle a touché le bord de son vêtement, Jésus s'est arrêté. Il dit, qui m'a touché? Pierre dit, mais Seigneur, tu es entouré d'une foule de personnes, tout le monde te touche. Jésus dit, tout le monde me touche, mais il y a quelqu'un qui m'a touché. La foi de quelqu'un m'a touché. Yes. Parce que j'ai senti qu'il y a une onction qui est sortie de moi. Come on. Il y a une onction ici.
Maman, dis à la maman de se lever. Voilà. Dis-lui de se lever. Et puis, il faut lui dire, marche. Non, non, maman Marie, il faut lui dire, marche. Dis-lui, ma fille. Comment? 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 Vous voulez qu'elle enlève les chaussures? Toi-même, regarde comment tu marches. Hey! Le Saint-Esprit soulève tes pieds, fais tous les mouvements que tu ne pouvais pas faire. C'est Jésus qui opère. Alléluia! Alléluia! Tu ris, maman, c'est ça. Alléluia! Va dans le témoignage. Alléluia! C'est le doigt, le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Levez les mains vers le Seigneur. Je vois des miracles déjà qui ont déjà commencé avant même que je ne parle. Il y a des personnes ici. Et je vois en vision une personne, tu es venu avec une canne. C'est toi? Tu es venu avec une canne? Fais-moi voir la canne. Non, quelqu'un va t'emmener, ça, faut pas te fatiguer, faut pas te fatiguer. Il y a une deuxième personne, tu es venu avec une canne. Tu es venu avec une canne. Il y a un miracle qui est en train de se produire. Pendant que je parle et que je déclare dans le nom de Jésus, que le Dieu de miracles, yes, le Dieu de la résurrection, il y a certains parmi vous, leur pied qui est tordu va commencer à se redresser sous l'onction du Saint-Esprit. Parce qu'il est un Dieu de miracles. Come on, Daddy. Pendant que je parle maintenant même, hey, l'onction de Dieu est en train de te saisir. Yes. J'aimerais que pendant 5 ou 10 secondes, tu fermes les yeux. Oh. Et laisse-moi libérer dans l'atmosphère la guérison. Laisse-moi libérer dans l'atmosphère la restauration. Il y a d'autres personnes qui ne sont pas venues à cause de leurs pieds, mais par la foi, ton problème c'est un problème de ventre, mais tu es venu quand même. Le miracle arrive avant même que je ne dise amen. Yes. Aidez-la, elle est par terre. Il y a une autre personne, tu es venue avec un problème au niveau de ton dos jusqu'à tes reins. C'est débloqué au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'est débloqué au nom de Jésus. Come on, come on. Il y a une personne, c'est un mal qui se manifeste dans tout ton corps. Depuis la tête jusqu'à la plante de tes pieds. C'est la sorcellerie qui avait décidé. Eux, ils t'avaient déjà programmé. Mais je t'annonce ta délivrance. Je fais un retour à l'envoyeur. Celui qui t'a programmé par la sorcellerie, lui-même, avant le vendredi prochain, il part. Jesus! Il y aura des miracles terribles et des délivrances dans la maison de certaines personnes. Parce que le Dieu de victoire est ici à la montagne des Oliviers. Come on. Sous l'onction de votre ange, sous l'onction de votre prophète, je prophétise et je déclare. Yes. Quelque chose de surnaturel a commencé déjà à se manifester. Pendant que je parle. Come on. My God, my God, my God, my God, my God. Ça a commencé. Il y a une femme déjà, tu sens déjà quelque chose a commencé dans ton pied. C'est le Saint-Esprit. Yes. Ça a commencé déjà. Il y a une onction qui a commencé à visiter 1, 2, 4, 10 personnes, 12 personnes. Vous êtes sous l'onction du Saint-Esprit et vous recevez la guérison et la restauration. La gloire de Dieu est en train de vous visiter maintenant même. Recevez et saisissez votre miracle dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pendant que je parle, yes, la gloire de Dieu, la victoire, le miracle, la délivrance se manifeste dans le nom puissant de Jésus. Yes. C'est votre saison de délivrance. Come on. Ce mal, cette maladie est déstabilisée. Yes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Quelque chose se passe. Yes. Reçois la grâce maintenant même dans le nom puissant de Jésus. Come on. Je chasse toute oppression. Yes. La maladie, l'esprit, l'oppression est déstabilisée maintenant même. Et je parle à vos os, je parle à vos organes, yes, je parle à vos cellules, je parle à votre corps, yes, je parle à votre sang, je parle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez guéris. Yes. Ça a commencé déjà, ça commence, ça commence, ça commence, ça commence, ça commence, ça commence. Ça commence, ça commence, comment? Ça commence, ça commence.
Rekaba, c'est que le boss. Rekaba, c'est Léon. Heba, c'est que le boss. Ropabas, Ropay, Rakaba, Eyon, c'est que le boss. Imamas, yes. Rekaba, yes. Michael, yes. Regarde ce monde. Jesus. Dans le nom puissant de Jésus. Jesus. Je ne sais pas ta situation. My God, my God, my God. Mais ta situation est déjà. My God. Oh my God. Tu es un témoignage vivant. My God. Yes. De la gloire et du miracle. Yes. La gloire et le miracle. Aidez-la. Quelque chose se passe. Elle marche avec sa canne. Elle est venue avec sa canne. Elle attrape sa canne. Hey. Elle peut marcher. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Jésus de Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? C'est Jésus. Alléluia. C'est Jésus. Alléluia. C'est Jésus. Alléluia. C'est Jésus. Avec danser, avec danser, avec danser, avec danser. Commence et la gloire de Dieu se manifeste. Quelque chose se passe. Il te redresse. Yes, Daddy. Oh, hey. My God. Hey. My God. Hey. My God. Hey. Ça c'est le droit de Dieu. Aïe 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 Il se manifeste. Yes, Daddy. Je déclare dans le nom de Jésus. Come on. Tu mets la main là où tu as mal, quel que soit le mal. Et toi qui es assis, yes. Même si ce n'est pas un problème au pied, que tu as foi, que Dieu, le Dieu des miracles, il opère encore. Viens dans les rangs. Viens te connecter. Hey. Au surnaturel. Il y a le doigt de Dieu en action ici. Yes. Il y a le doigt de Dieu en manifestation. Yes. Il est le Dieu de miracles. Come on. Son nom c'est Jésus. Yes. Je déclare dans le nom de Jésus. Yes. Toute maladie, toute oppression. Yes. Toute attaque de l'ennemi. Come on. Tout esprit de sorcellerie. Yes. Toute sorcellerie qui vous a attaqué. Come on. Au nom de Jésus. Yes. 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 Au nom de Jésus. Ton miracle a commencé. Au nom de Jésus. C'est fini. Nom de Jésus. Reçois ton miracle. Yes. Reçois ton miracle. Yes. Reçois ton miracle. Yes. Reçois ton miracle. Yes. Reçois ton miracle. Nom de Jésus. Reçois ton miracle. Nom de Jésus. Maintenant même. Yes. Maintenant même. Nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yes. Dans la foi. Yes. Commence à faire
fais les mouvements que tu ne pouvais pas faire. Comment? Tu vois que le miracle est en train de manifester. Comment? Et que le marché en Ikata Prata. Il en a un Qui s'appelle Georges? Georges. J'entends Georges. Yes. Georges. Georges Akakwami. Dépêche-toi. J'ai qui est passé. Lève tes mains. C'est une saison de restauration pour toi. Fils, tu fais quoi ici? Tu fais quoi dans l'église? Tu fais quoi? Tu fais rien. Engage-toi à l'œuvre. Parce que Dieu veut t'utiliser. Il y a quelque chose de fort. Tu ne peux pas être là et puis à ne rien faire. Tu dois être actif dans la maison de Dieu. Et ça va déterminer la grâce et la bénédiction. Je te vois sur des chantiers de construction. Je ne sais pas s'il y a une connexion, mais il y a quelque chose que Dieu veut libérer dans ta vie et c'est ta saison. Tu m'entends? Donc Dieu est avec toi. Il manifeste sa grâce et sa victoire. Il manifeste sa grâce et sa victoire. Il manifeste sa grâce et sa victoire. Tu as un pasteur qui s'appelle Jean-Baptiste. My God. Je vois une dimension, une onction apostolique sur ta vie. Quelque chose se passe. Je te vois exercer dans la commune de Cocody. Je te vois exercer dans la commune de Cocody. Fils, est-ce que vous avez une œuvre à Cocody? Ok. Jean David, j'ai une parole pour toi. Pendant que je parle, Dieu est en train d'ouvrir le ciel pour toi. J'entends le nom Zogbo. Z-O-G-B-O. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire surnaturellement sur toi, sur ta famille. Yes. Il y a une dimension apostolique. Je te vois en train d'être envoyé dans différents endroits, en train d'installer l'œuvre,
mais en même temps tu rentres dans une saison où les portes sont en train de s'ouvrir, où la gloire de Dieu se manifeste. Yes. Je vois quelque chose, je ne sais pas si c'est connecté à l'homme de Dieu, mais je vois 01 41 70 74 56. C'est ton numéro de téléphone. Je vois l'Esprit de Dieu opérer avec toi. C'est un numéro move. Oui, papa. Moi, je ne connais pas la différence. Quand je vois dans l'esprit, je parle et je libère. Quelque chose est en train de se produire. Pendant que je parle, tu rentres et vous rentrez dans une dimension surnaturelle. Le Saint-Esprit me parle de surnaturel. C'est une saison de surnaturel. Yes. Spécialement pour tes enfants spirituels. Beaucoup vont commencer à te ressembler. Beaucoup vont commencer à marcher dans tes pas. Beaucoup vont commencer à marcher dans le prophétique. Dans la dimension de la gloire, dans la dimension de grâce. Yes. C'est une saison surnaturelle. Je parle par la gloire et par l'Esprit de Dieu. Pendant que je parle, l'onction qui est sur ma vie et l'onction qui est sur la vie de votre Père est en train de tomber sur vous. Vous rentrez dans une dimension de surnaturel. Yes. Et dans une dimension de grâce et de victoire. C'est quelque chose que Dieu est en train de faire. L'Esprit de Dieu me dit qu'il y a des personnes ici qui sont, my God, il y a des personnes ici qui seront des bénédictions extraordinaires dans les finances. Ça veut dire que là où les choses sont bloquées, ça se débloque dans le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que tu as décidé d'être un soutien et une bénédiction pour l'œuvre ici. Je parle à quelqu'un maintenant. J'entends Flore. Je ne sais pas qui est Flore, quelle jeune dame est Flore, mais il y a comme une délivrance qui est en train de se manifester pour toi maintenant même, pendant que tu entends ma voix. Il y a une autre personne, j'entends Esther. C'est ta saison. Et je parle dans l'esprit et je parle par la gloire de Dieu. Ta saison de délivrance et de restauration est arrivée maintenant même. Il y a quelqu'un ici, tu entends ma voix et tu es en train de dire, Seigneur, permets que l'homme de Dieu parle de mon cas. Je veux être localisé prophétiquement. Je veux être touché par le Saint-Esprit. Pendant que je parle, je sais qu'il y a des centaines de personnes qui veulent cette même prière. Mais pendant que je parle, le Saint-Esprit t'a déjà localisé de là où tu es. Il y a une grâce, il y a une bénédiction. Yes. Il y a une grâce, il y a une faveur. Yes. Tu t'es donné un nom et le nom que tu t'es donné, c'est victoire. Pendant que je parle, je suis en train de parler à victoire. Victoire n'est pas dans ton acte de naissance, mais c'est le nom que toi-même tu t'es donné. Pendant que je parle, je suis en train d'annoncer des victoires parce que tu vis des combats terribles. Yes. Des combats terribles. Yes. Tu rentres dans une saison de victoire surnaturelle. Qui s'est donné le nom victoire? Elle est là. C'est toi, ma fille. Je yes. déclare dans le nom puissant de Jésus. Comment tu t'appelles? Cynthia. Mais moi, je t'appelle victoire. Je confirme. Tu te prénommes victoire. Je prophétise et je déclare. Tu vis des combats. Trop de combats, mais tes combats se changent en victoire dans Amen. Le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu vas remporter les victoires. Amen. Tu as été combattu dans ta famille, combattu Amen. Par tes amis, combattu Amen. Par des gens autour de toi, à cause de la jalousie, combattu de partout. La sorcellerie a décidé de te déstabiliser, mais je parle par l'esprit. Et à cause du fait que tu te sois connecté à l'onction prophétique en ce lieu, tu rentres dans la victoire dès ce soir. Amen. La victoire a commencé à se manifester yes. dans le nom puissant de Jésus. Jesus. Tu rentres dans une dimension surnaturelle. Come on. Je prophétise et je déclare. Annonce, en ce jour de Pâques. Yes. En ce jour de la résurrection de notre Seigneur. Yes. L'église évangélique, la montagne des Oliviers. Come on. Est en train de monter à une dimension. À une dimension que j'appelle la dimension d'accélération. Yes. Les choses que tu as attendues, ça fait 5 ans. Come on. Dieu me charge de te dire que ça va faire 5 ans. Alléluia. Quelle est la date aujourd'hui? Le 9. 9 avril. J'entends 9, 9, 9 et je vois un peu comme si vous êtes à votre 9e année. Ça fait combien de temps l'église existe? 9 ans. Jesus. Dieu me charge de vous dire que c'est votre année d'accouchement. Jesus. Je prophétise et je déclare. Annonce. C'est une saison pour quelqu'un. Tu as reçu la promesse de Dieu, mais tu n'as pas vu la manifestation. Je t'annonce qu'avant la fin du mois de avril, tu vas commencer à accoucher des miracles. Yes! Il y a des personnes qui sont enceintes. Et quand tu es enceinte et que tu es à terre, la douleur commence à se manifester. Tu commences à avoir mal. Les attaques que tu vis, j'appelle ça les douleurs de l'enfantement. Tout ce que tu dois faire, c'est de pousser.
miracle est sur le point de se manifester. Pousse. Oh. Pousse. Yes. Montagne des oliviers. Hey. Pousse. Come on. C'est ta saison d'enfant. Yes. Tu vas enfanter l'explosion. Hey. Tu vas enfanter le réveil. Yes. Tu vas enfanter la victoire. Yes. Tu vas enfanter la résurrection. Yes. Pousse. Yes. Pousse. Yes. Tu vas enfanter. My God. On se tient debout, tu mets ta main sur ton ventre. Je ne sais pas pourquoi j'ai vu le chiffre 9 et pourquoi est-ce que c'est connecté au temps d'existence de l'église. Mais il y a quelqu'un qui est sur le point d'accoucher d'un miracle. Il y a quelqu'un qui est sur le point d'accoucher d'un miracle. Yes. Il y a quelqu'un qui est sur le point. Même, my God, même parmi ceux du mouvement J228. Des joints de Dieu vont commencer à coucher. Yes. Hey. Il y a des personnes ici. Ça c'est ma dernière prière parce que c'est l'heure. Il y a des personnes ici qui vont commencer à manifester des onctions surnaturelles. Parce que j'entends la voix de Dieu qui me dit, c'est l'heure de l'enfantement, c'est l'heure d'accoucher. Amen. Ça veut dire c'est l'heure de l'accomplissement, c'est l'heure de la manifestation. Yes. Depuis longtemps, tu as attendu la manifestation. Mais maintenant que tu sens les douleurs de l'enfantement, les douleurs de l'enfantement, ça veut dire que les gens t'ont oppressé, persécuté, rejeté, insulté, ils t'ont traité de tous les noms. Les douleurs de l'enfantement, ça veut dire que les gens t'ont humilié, attaqué, ils t'ont bloqué, ils t'ont étouffé. Mais je viens t'annoncer que c'est ta saison de manifestation. Amen. C'est ta saison de manifestation. Amen. Je prophétise à une femme ici. Yes, allez. Ton mariage a été attaqué. Annonce. Ton mariage a été oppressé. Yes. Mais c'est ta saison de voir la manifestation de ton miracle. Amen. Je prophétise à un homme, à un serviteur de Dieu ici. Yes. Ton ministère a été opprimé. Come on. On t'a traité de tous les noms. Yes. Ils ont accusé. On t'a accusé à tort. On t'a rejeté, mais ta saison est arrivée. Amen. Tu n'es pas seul, l'onction du Saint-Esprit est avec toi. Yes. Tu n'es pas seul, la puissance de Dieu est avec toi. Yes. Le doigt de Dieu se lève contre yes. tes ennemis. Amen. Je t'annonce dans le nom de Jésus. Amen. Dieu me montre ici quatre puissants hommes d'affaires hey. Qui vont commencer à toucher des milliards. Hey. Parce que c'est votre saison de manifester. Yes. Vous avez résolu en votre cœur hey. D'être des bénédictions ici auprès de l'homme de Dieu. Et vous avez dit, Seigneur, je veux surprendre l'homme de Dieu à cause de sa vision. Le Saint-Esprit me charge de te dire, c'est l'heure de la manifestation. Yes. Je vois un contrat signé avec ton nom écrit là-dessus. Come on. Je vois des contrats signés avec ta signature. Yes. Je vois la main de Dieu se manifester. Amen. Pendant que je parle, come on, et que je libère cette dernière prière, quelque chose est en train de se passer. Yes. Il y a des personnes ici. On t'a enterré, on t'a oublié. Beaucoup de ceux qui vous ont enterré, ils ont oublié qu'on n'enterre pas une graine. On n'enterre pas une semence. Hey. Si tu as enterré une semence, yes. sache que tu as planté un arbre. Hey. Pendant que tu penses que tu m'as enterré, yes. que tu m'as oublié, hey. Sache que ma saison arrive. Amen. Où je vais commencer à sortir des terres. Amen. Je prophétise et je déclare. Yes. Ta saison de résurrection a sonné. Ta saison de sortie a sonné. Amen. Ta saison de manifestation a sonné. Amen. Reçois. Yes. Yes. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je viens à toi. Je viens à toi. En ce jour de résurrection. En ce jour de résurrection. Restaure ma vie. Restaure ma vie. Ressuscite mon onction. Ressuscite mon onction. Ressuscite mon appel. Ressuscite mon appel. Ressuscite la grâce que tu as mise sur moi. Ressuscite la grâce que tu as mise sur moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Acclame Dieu pour toi-même. Alléluia. Ce n'est pas terminé. On n'a pas fini. Même si on est à la fin, on n'a pas fini. Il y a un miracle de dernière minute pour quelqu'un. Hey! Shakabahaya. Je reçois ça.
Je dis, il y a un miracle de dernière minute. Je reçois ça. Il y a un miracle de dernière minute pour quelqu'un. Nous sommes en même temps en train de célébrer une fête de moisson. Une saison où nous nous connectons à la résurrection. La moisson veut dire on a semé, on a enterré quelque chose et puis c'est en train de ressusciter. Aujourd'hui, c'est une saison de résurrection. Amen. Pendant que tu prépares ta semence, il y a des personnes ici. Je vous donne 72 heures pour voir un miracle. Amen. Ça veut dire 3 jours. Ceux qui ont une foi violente comme moi, avant demi minuit, ça veut dire en moins de 24 heures. Toi, ce n'est pas 72 heures. Avant 24 heures. Yes. On t'appellera. Amen. Le miracle va commencer à te localiser. Toi, mais tu seras surpris. Yes. Tu vas te tourner, tu vas dire, mais tchè, l'église là, c'est magie, ils font bien. C'est plus que la magie. Yes. Ça s'appelle le epikaiso. Yes. La puissance de amen, Dieu. Amen, amen, amen. C'est le doigt de Dieu. Amen. Tu vas voir un miracle se manifester. Prépare ta moisson. Chacun doit avoir son enveloppe. Je veux bénir les semences. Je veux bénir ta semence. Maintenant, si tu n'étais pas au courant et que tu n'as pas prévu ta semence, voici ce que tu vas faire. Tu vas prendre ta plus grande semence. Il y a d'autres qui ont prévu, je pense que c'est 10 000. Mais l'Esprit de Dieu me parle à un homme et à une femme de préparer 100 000. Et même d'essayer d'aller au-delà, pour se connecter à cette grâce et à cette onction. Prépare ta semence et prépare ta moisson. Je vous donne à certains 24 heures de miracle, à d'autres 48 heures de miracle et à d'autres 72 heures de miracle. Ça ne doit pas dépasser 3 jours. Je suis un homme de foi qui marche avec le surnaturel, qui voit de temps en temps les anges et les entités spirituelles et surnaturelles. Dieu m'a donné la grâce de monter au ciel et de revenir. Il était un moment dans ma vie où j'allais au ciel. C'est-à-dire, je vais au ciel dans la Jérusalem céleste. Comme toi, tu prends Baka pour aller à Yopougon Yangon. Je connais les choses dans le monde spirituel. Dieu est en train de me montrer une vision d'ange de bénédiction ici installée. Et tous ceux qui se connectent à cette grâce ici et qui sèment sur cette terre, il y a quelque chose qui va se produire dans les 3 jours. Je yes. sais de quoi je vous parle. Come on. N'hésite pas. Je sais de quoi je te parle. Yes. Là où c'était bloqué, tu vas voir le miracle se manifester. Amen. Prépare ta semence. Yes. Prépare ton offrande. Prépare ta moisson. Certaines personnes sont venues avec des articles. Que ce soit des, je ne sais pas, du riz, de l'huile, du savon, tu peux l'apporter. Mais mets quelque chose, mets cette semence pour déterminer cette offrande et cette semence et libérer la gloire de Dieu. Pendant que tu te prépares, moi je parle au monde spirituel. Je parle au monde spirituel. Et je déclare dans le nom de Jésus. Quelque chose de surnaturel est en train de se produire. Pendant que tu prépares ta semence, écoute, même si tu n'es pas de l'église et que tu as des visites, tu es en visite, prépare cette semence. Nous allons rentrer dans des miracles financiers, dans le surnaturel financier. Et c'est ta saison. Je déclare dans le nom de Jésus, pendant qu'on se prépare, quelque chose se passe. Hey, comment c'est que le road?
Prophète, est-ce qu'il y a encore des enveloppes? Il ne sait que les bâches. Ça, c'est le doigt de Dieu. Ça, c'est le doigt de Dieu. Ça, c'est le doigt. Le doigt de Dieu. Ça, c'est le doigt. Se lève. Je vois des miracles. Pendant que tu apportes ta semence. Pendant que tu apportes ta semence. Aya no shake it about. Rikanadabashea. Yes. Yes, vas-y. C'est le doigt de Dieu. Yes. C'est le doigt. Lève ton offrande pendant que je prie en langue. Pendant que je prie en langue, je dis des mystères. Et je parle à tes finances, je parle à ta semence. Et mal que le beau spirit, le beau chara, la basse, qui est en tout le beau.
Il y a des personnes déjà, leurs mains sont en train de trembler sous l'onction. Ça veut dire qu'ils sont en train de recevoir des contrats, des signatures, des bénédictions, des portes qui s'ouvrent. Tu vas témoigner, tu vas témoigner. Yes. Tu vas témoigner. Yes. Il y a une onction terrible sur ta vie, sur ton ministère. Come on, come on. Tu es prophétique, tu es dangereux. Yes. Tu es inspiré et tu es dans l'inspiration. C'est des mélodies surnaturelles qui arrivent. Come on. C'est les anges qui chantent dans tes oreilles. Yes. C'est des compositions extraordinaires et surnaturelles. Parce que tu es surnaturel. L'onction est surnaturelle sur ta vie. Raquel de Bos, ça c'est le doigt de Dieu. Je suis pas normal.
pas normal. Il est si naturel. Il n'est 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 pas normal. Il est si naturel. Nous faisons en même temps. Il n'est pas normal. Nos semences. Il est surnaturel. Il n'est pas normal. Yes. Il est surnaturel. Il n'est pas normal. 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 Il est surnaturel. Il ressuscite les morts. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ne soyez pas surpris de me voir à tout moment. Ici, c'est ma maison. Alléluia. Vous êtes mes enfants. Je vous aime très fort. J'aime beaucoup votre ange. J'aime beaucoup l'homme de Dieu que Dieu a mis devant vous. Il est une source de bénédiction intarissable. Ne l'attaquez pas. Soutenez-le. Si Dieu vous donne de le soutenir par la prière, par vos moyens, soyez des bénédictions. Alléluia. Alléluia. Moi, je suis honoré d'être là comme une couverture. Et je vous embarque dans le bateau du réveil. Pour ceux qui peuvent, je vous invite demain à un événement très fort, très puissant, très prophétique, très dangereux. Un événement qui ne sera pas normal. Un événement surnaturel que nous allons avoir demain à 13h. Pour ceux qui peuvent faire le déplacement, venez vous connecter à l'onction du Saint-Esprit. Venez vous connecter à la grâce. Je vais laisser d'autres personnes peut-être apporter des précisions. Mais c'est demain à partir de 14h. Nous voulons fêter la résurrection avec un temps prophétique. Ça sera fort. Alléluia. 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 Je veux que tu te lèves et que tu acclames très fort le Seigneur pour l'ange de la prophétie, l'ange de la grâce, l'ange de la bénédiction. Yes! Mon fils, le major, prophète Frank Maï, sois béni, mon fils. Si naturel, il n'est pas normal. Oh, acclame le Seigneur. Alléluia. Asseyons-nous. Merci beaucoup, musicien. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Qui veut m'accompagner demain à cet événement? Demain, je vais voir. Est-ce que la servante de Dieu lui dit? Est-ce que les Amazones là sont là, les femmes fortes? On les entend pas, hein? Elles sont perdues dans le mouvement. Alléluia. Demain, je serai à cet événement-là. On s'en va là-bas. Dis, on s'en va là-bas. Amen. On va mettre un cas là, un cas de 70 places.
C'est petit, non? Alléluia. Si tu es d'accord avec moi, pousse un amen fort. Gloire à Dieu. Le président de la jeunesse, M. Gazoa Marc, et la présidente des femmes de l'église de Yopougon, et la présidente des femmes de l'église de Cocody, Maman Domo est là aussi également. Venez un peu devant, s'il vous plaît. Approchez. Avant que on y termine rapidement, on va parler de cet événement-là. Venez les mamans. Est-ce que le président de la jeunesse de Cocody est là? Ok. Bon. Demain, à 14h, je veux qu'on m'accompagne. Vous devez m'accompagner à Trècheville. Alléluia. Vous devez m'accompagner à Trècheville, nombreux. Président Gazoa, tu sais comment appuyer le bouton. Donc, le groupe musical, tout le monde, on se retrouve là-bas. Les services d'ordre et commando, prenez le mouvement à bras le corps et allez-y faire le service là-bas. Gloire à Dieu. C'est un mouvement dont je fais partie. Donc, si je fais partie du mouvement, vous aussi, vous faites partie du. Donc, demain, je vais voir avec le président Gazoa. On va mettre un cas ici. Et à partir de midi, déjà, pour que nous nous retrouvions là-bas. Ils vont vous donner des prospectus tout à l'heure pour ceux qui sont intéressés à aller là-bas. Bon, tout le monde est intéressé. Tu veux, tu ne veux pas, tu es intéressé. Amen. Donc, on doit sur un. Voilà, donc on dit les gens ont commencé à s'inscrire derrière là-bas. On va juste attendre le culte. Après le culte, est plus bon, vous allez vous inscrire. Alléluia. Alors, merci beaucoup, Maman Lydie. Merci, Maman Domo, pour l'équipe. Merci aussi au président de la jeunesse, secrétaire général. Merci à tout le monde. Merci au président de l'église, M. Cesse Alexandre et son équipe. Merci au révérend Zobo, Jean-Baptiste et tous les pasteurs de l'église Eumo. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous ceux qui ont permis que notre père, votre grand-père, vienne ici. Merci papa, merci maman, merci à toute la délégation. Et merci à tous les membres du mouvement J228 d'être venus nous soutenir. Alors, devant mon peuple, devant l'église de la montagne des Oliviers, je voudrais dire que ici c'est la base. Dieu nous a permis de nous faire don d'un terrain de 5200 m². Et nous sommes en train de finaliser pour que nous partions d'ici. Vos prières, papa dit on va accoucher, on est enceinte, on va accoucher, on est 9 mois. Moi, je savais qu'après son départ d'ici, Dieu va donner quelque chose. Je sais que dans les semaines qui vont suivre, on aura une bonne nouvelle. Donc, on a pris 5000 demi-hectares pour bâtir quelque chose de sérieux. Et il est venu ouvrir le ciel. Au-delà de l'église, nous avons une église au Burkina, on a une église en Haïti, une église en France, une église en Allemagne, une église en Angola, une église au Congo-Brazzaville, une église au Bénin. Gloire à Dieu. Et Dieu m'a fait la grâce. Il y a un fils qui est venu de la Guinée-Conakry, spécialement. Il a une église là-bas, c'est un pasteur, un apôtre. Il m'a contacté, il est venu, il dit il va faire la Pâque avec nous. Il vient pour que je puisse l'impacter. Mais Dieu fait les choses qu'il est venu, il est tombé celui qui m'a impacté aussi. Donc, mon fils viens rapidement, papa va prier pour toi. Waouh! Il a une œuvre là-bas, une grande œuvre. Je vais t'envoyer vers Dadi, il va t'imposer les mains. Et il va déclarer sur ton ministère pour que les choses puissent découler. Alléluia. Donc, il y a des pasteurs qui vont venir la semaine prochaine du Burkina et d'autres vont venir du Mali.
pour le programme pour venir recevoir l'impact. Après cet événement-là, c'est notre décollage. Je voudrais qu'on acclame le Seigneur pour la vie du papa. Maranatha. Que Dieu nous bénisse. Que à partir de cette fête de moissons, je déclare qu'on ouvre ton ciel soit complètement ouvert dans le nom de Jésus. Non, je veux que tu lèves la main pour bien recevoir. Que toutes les paroles qui ont été relâchées par mon Père, que ces paroles-là aient de l'impact dans vos vies dans le nom de Jésus-Christ. En partant d'ici, que vous alliez avec la grâce et la bénédiction. Le dévoreur, le voleur, ne puisse pas vous arracher cette parole de bénédiction. Que ces paroles-là ne tardent pas à s'accomplir dans votre vie dans le nom de Jésus. Je n'aime pas quand je relâche et puis tes mains sont baissées. Celui qui veut recevoir, lève les mains. Reçois dans le nom de Jésus. Reçois dans le nom de Jésus. Reçois dans le nom de Jésus. Que le Dieu des prophètes qui a exercé ce soir par les guérisons, les miracles et par la bénédiction, que ce Dieu continue à te bénir au nom de Jésus. Alors donc, on n'a pas assez de temps. On n'a pas assez de temps. Vous ne connaissez pas l'homme. Non. Je crois que s'il voulait faire tout, peut-être que c'est à minuit, on allait quitter ici. On n'a pas assez de temps. Et il a demandé, il a abrégé les choses. Le 5 mai, nous allons avoir une nuit où la terre sera transformée par le ciel. Tu attends seulement qu'on te dise où ça va se faire. Moi-même, je suis en train d'hésiter. Si c'est à la BAE, ici, il n'y aura pas place. Donc, je suis en train de voir si on doit faire ça à Figayo, à la place CP1, parce que ça va craquer de monde. Le 5 mai. Le 5, dis à ton voisin, 5 mai. Non, si quelqu'un n'a pas parlé, c'est notre sorcier. Touche ton voisin, dis 5 mai. Ça sera notre veillée de réveil où il aura le temps de prophétiser. Si quelqu'un il est là et puis il donne ta date de naissance, il va te rentrer dedans, il sort, il retourne. Mon homme, c'est pas bon même. Yes, papa. Alléluia. Yes. Non, il faut dire revenir en force. Hein? Ancien boulot, c'est la renouvelée. Yes. Donc, je serai à ses côtés. Hey, Allah. C'est une explosion. Hey, prophétique. De la voyance jusqu'à demain. Peut-être à 8h, on va finir. Hey, non, on finit à 10h d'habitude. Il fallait ramasser vos enfants. Yes, papa. Vos familles. Yes. Tous ceux que vous connaissez. Hey. Pour dire, préparez-vous. Uh-huh. C'est la veille de l'explosion. Yes. Alléluia. Le signal. Le 5 mai. Yes. C'est dans 3 semaines. Hein. Le 5 mai. Hey. J'ai dit bien, dis à ton voisin 5 mai. 5 mai. Regarde la bouche de ton voisin, s'il ne parle pas, c'est notre sorcier. J'ai mis ma confiance en toi, Jésus. Hey. Ne me laisse pas. C'est lui seul. Hey! Moi, j'ai mis ma confiance en toi, Jésus. Ne me laisse pas tomber. Je prophétise ce soir, yes, papa, que ces paroles qui ont été relâchées sur ta vie, hey, oh, s'accomplissent dans l'immédiat dans le nom de voilà, Jésus. Yes, papa. Hey. Que ton ciel soit ouvert après cette prière. Je reçois. Que la bénédiction qui a été relâchée sur ta vie s'accomplisse dans le nom de Jésus. Parole des prophètes. Oh, dis bien amen. Amen. Dis bien amen. Amen. Dis bien amen. Amen. Dis bien amen. Que Dieu nous bénisse. Je vais demander au serviteur de partager les prospectus. Gloire à Dieu. Partagez à tout le monde. Rendez-vous ici
à la BAE matin, au plus tard à 11h midi. Yes. Alléluia. Alléluia. Le convoi. Concernant la prophétie de maman, c'était tellement fort. Elle-même m'a dit, Dieu lui a dit, après cette fille, elle doit avoir des 40 jours de jeûne, des 20 jours de jeûne, des 30 jours de jeûne. Et qu'elle se posait la question. Elle me dit, mais quelle est ma mission? Et puis moi, je lui ai dit, ah, moi, je t'ai dit que tu vas être temps, tu ne crois pas. Mais je sais que tu es un servant de Dieu. Elle dit, non, tu ne m'as pas parlé. Qu'est-ce que je dois faire? Je suis qui? Et c'est dans cette position-là, papa, tu es venu lui dire qu'elle est une prophétesse. Je vais lui donner le micro elle-même. Elle va rendre son témoignage. Parce que c'est du tuc au tac. Quand quelqu'un parle avec... Bon, papa, c'est normal que tu parles comme ça. Donc, elle vient. Donc, maman, tu vas parler, tu vas lui dire... Hein? Voilà. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Merci infiniment. Avant de parler à papa, je voudrais remercier déjà l'église parce que pendant 3 mois j'étais absente, mais je suivais un peu yes. votre présence. Yes. Étant donné que nous sommes toujours ici, mais vous êtes toujours constant. Yes. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité. Amen. Papa, ce que vous avez eu à dire, c'est totalement exact. Ah, elle est vieille. Donc, je disais à mon mari, à papa, que une fois je l'ai. Un matin très tôt, je dis, papa, prophétise sur moi. Je veux aller un mardi te voir. Il dit, si tu vas me voir, ils vont te barrer. Déjà, même Lydie même te connaît. Elle va te dire de ne pas rentrer parce que tu dors déjà avec papa. Je dis, je vais me camoufler parce que tu dois dire quelque chose. Et il dit, le temps viendra où Dieu même te parlera. Et tout à l'heure, quand papa, tu as commencé à ministrer, j'étais là, je dis, Seigneur, je ne dois pas quitter ce lieu tant que tu ne m'orientes. Parce que j'étais indécise et je ne savais vraiment pas. C'est vrai qu'ici, j'ai la possibilité de prêcher, mais je voulais une conviction ferme pour m'engager. Et papa, tu as tout dit. Et j'ai dit à papa, Maï, qu'après cet enfant, je ressens dans mon esprit, parce que quand j'étais enceinte, je me suis vue en train d'intercéder, je me suis vue sous l'onction, je me suis vue en train de prêcher devant la foule. Et Dieu me dit, tu dois faire des moments de jeûne. Mais je voulais une assurance, une certitude avant d'entamer les choses. Papa, tu es venu concrétiser cela. Et j'ai même dit, après le 11 mai, qui est la date de mon anniversaire, je dois faire 21 jours de jeûne. C'est faux. Et j'avais ça dans mon esprit. C'est faux. Et papa me dit, mais tu es nourrice. Je dis, je ne sais pas comment cela va se passer, mais je sais que je dois faire 21 jours de jeûne. Je sens ça dans mon esprit. Papa, vous êtes venu, vous avez dit. Prononcer des choses et c'est exact. Je suis convaincu que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Yes! Alors, c'est tellement. Je voulais qu'elle me rende elle-même son témoignage parce que à chaque fois, elle disait elle me fatiguait. Je lui ai dit bon, ok, Dieu va te parler. Si c'est moi, peut-être tu ne vas pas croire, mais Dieu va te parler. Même papa, merci. Merci. C'est tellement fort. Tellement fort. Et je sais que c'est le décollage. C'est le décollage. J'ai commencé à ne plus avoir le temps. J'ai commencé à ne plus être en place. Et Dieu me dit, je dois l'établir sur l'église. Parce que toutes ces églises qui sont en train de naître, il faut qu'elles soient visitées et les églises soient implantées. Merci, papa. Que Dieu, qui t'a permis de nous bénir, continue de bénir encore ta descendance. Et que tous ceux qui te suivent soient bénéficiaires de cette grâce. Merci. Merci d'être venu nous bénir. C'est une bénédiction pour nous. Nous sommes à ciel ouvert. Je crois que bientôt, on ira sur notre espace pour, de façon officielle, te recevoir à la dimension d'un patriarche. À la dimension d'un patriarche. Et ceci, ça ne sera pas peut-être en cachette, mais officiel. Donc cette réception, elle est officieuse. On va te recevoir. Et nous prions que à Manaïm qui est notre convention, que tu viennes devant le peuple. Que tu viennes à Manaïm. Et à Manaïm, il va se passer beaucoup de choses. Je te l'ai déjà dit. Ma tête, personne ne l'a touchée. À part celui qui m'a baptisé.
je suis venu me mettre sous toi. Donc, je crois que c'est notre décollage à cette date. Donc, tu vas venir à cette convention pour déclencher cette grâce. Avant que tu ne viennes, j'ai reçu 4 hommes de Dieu qui m'ont dit que Dieu va t'envoyer le prophète Jean-Marie Domoro pour te remettre le flambeau que je ne connais même pas. Ils sont venus de nulle part. Il y a un même qui est arrêté derrière là-bas. Lève ta main, ils vont te voir. Il a payé réception pour venir me parler. Il y a un autre qui était là. Il y a d'autres mêmes qui sont quittés d'un autre pays qui m'ont pas dit va vers telle personne. Donc, en venant vers toi, ce n'est pas dans l'émotion. Mon épouse me disait, tu ne peux pas servir Dieu, tu as l'onction, tu as une dimension, mais tu as besoin d'un père, un mentor. C'est vrai que ton père spirituel est là, mais un mentor à côté de toi. Quand il s'est réveillé matin, c'est la première des choses qu'il m'a dit. Je lui ai dit, laisse-moi tranquille, où je suis là, je suis diable, tiens. Donc j'ai discuté avec elle, je ne voulais pas attendre. Mais quand je l'ai quitté, le Saint-Esprit me dit, non, tu n'es pas bien, tu as tout. Mais l'onction que tu as là a besoin d'un parapluie au-dessus. Je vais lancer un appel à tous les serviteurs qui m'écoutent. L'onction ne suffit pas. L'onction ne suffit pas. Tu peux avoir l'onction et mourir avec l'onction. L'onction peut être dangereuse pour la vie d'une personne qui n'a pas de couverture. Ton père spirituel ne peut pas être forcément ta couverture s'il n'est pas dans le même registre, le même couloir que toi. Je ne vais pas aller trop vite loin parce qu'il faut quelqu'un qui est dans ton couloir qui te comprend. Merci papa. Devant la nation, devant l'église, je le dis haut et fort, tu démets la couverture spirituelle du prophète Franck Marie. Merci d'être venu. Alléluia. On aura une veillée pour confirmer ça. Amen. Alléluia. Hey. Faut dire, on va confirmer ça. Voilà. L'apôtre Jib m'a dit, il y a des personnes qui n'ont pas pu faire leur dîme. Si vous êtes là, rapidement, venez. On va aller vite, 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 s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux te donner debout rapidement pour qu'on parte? Il y a des paroles à relâcher avant qu'on ne quitte ici. Ceux qui n'ont pas encore apporté leur dîme, qui ont encore leur dîme sur eux, venez rapidement. Merci Seigneur Jésus pour cette obéissance à ta parole. Bénis tes enfants, exauce-les, qu'à partir de cette dîme, qu'il y ait encore la grâce qui les accompagne. Au nom de Jésus-Christ, amen. Soyez bénis. Nous allons faire une seule offrande ce soir. Alléluia. Une seule offrande ce soir. Et ça sera aussi comme une action pour ceux qui n'ont pas pu porter leur action. Une offrande de façon officielle pour la grâce que tu as vue ici. Amen. Amen. Normalement, on devait faire des offrandes, mais on n'a pas pu faire d'offrande. Mais on va faire une seule offrande. Alléluia. Tu vas soulever cette offrande plus haut maintenant. Et je vais te déclarer. Et tu vas venir la déposer à la chair.
Merci Seigneur Jésus pour l'offrande. Merci pour tes enfants que tu bénis. Je prie que cette offrande, Père, suscite un miracle dans leur vie, suscite une grâce dans leur vie, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Éternel, parce que tu as déjà béni leurs semences. En ton nom saint que je prie au nom de Jésus. Amen. Tiens-toi debout, viens rapidement faire ton offrande. On va prier pour la fin. Dépêche-toi, cours rapidement, dépose ton offrande à la chair. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Qu'il arrose cette semence, cette offrande. Est-ce que les responsables peuvent se mettre en genoux là? Je parle de moins le bureau exécutif, y compris Maître Efoyi, Maître Dalougou, Excellence Aipo, comment on appelle ça? Monsieur Djoa, si le président Akpali est là, venez, on va vous imposer les mains, prier pour vous. Vous mettez là, Daddy va prier pour vous, va vous imposer les mains. Tous ces hommes que j'ai touchés, le président Yuto Abel, tout ça. Voilà, si le président Djewa est là, il est parti. D'accord. Lève les mains plus haut. Alors, pardon, s'il te plaît, dépose les deux mains sur la tête. Voilà. Dis Seigneur, que cette grâce demeure dans ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur, que cette faveur demeure sur ma vie. Au nom de Jésus. Que cette faveur demeure sur ma maison. Au nom de Jésus, Adonai, à partir d'aujourd'hui, que tu marches avec moi, que ta grâce marche avec moi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Est-ce que tu as déposé les mains sur la tête? Reçois cette grâce, va avec cette grâce, au nom de Jésus. Que cette grâce demeure dans ta vie, que cette grâce demeure dans tes affaires. Que cette grâce demeure dans tes activités. Que cette grâce demeure dans tout ce que tu entreprends. Au nom de Jésus. Que la grâce ne te quitte jamais. Dans le nom de Jésus. Reçois la grâce. 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 Que l'onction prophétique qui est en ce lieu te touche et marche avec toi. Que la puissante main de l'Éternel te visite. Que la puissante main de l'Éternel te restaure. À partir de ce moment, que rien de mal ne t'arrive. Ni la maladie, ni l'échec, ni la pauvreté, au nom de Jésus. Partout où tu mettras les pieds, que tu pousses au nom de Jésus. Quel que soit l'endroit, que l'Éternel te relève. Que tes ennemis soient toujours sous tes pieds, au nom de Jésus. Dis-moi trois fois Amen. Merci beaucoup les responsables. Donc on a pratiquement fini. Je vais appeler rapidement les femmes et la jeunesse qui voulait faire un don à la sortie du bébé à maman. Vous pouvez rapidement venir. Je vais appeler maman rapidement ici. Voilà, je vais prier pour la fin parce qu'on a fini. Demain, on ira à Yelams. Amen. Tout le monde, gloire à Dieu. Balance ta main si tu es d'accord. Demain, on dit on va à Trècheville. Dis on va à Trècheville. Dis on s'en va à Trècheville. Les femmes, faites vite, s'il vous plaît.
des mamans et les jeunes, venez vite rapidement, on va prier pour la fin. Merci mon Dieu. Le 5 mai, on aura une grande veillée. Nous sommes en train de nous entendre d'ici la semaine. On va vous donner les dates par rapport, enfin, le lieu là où la veillée va se tenir. Déjà, il faut en parler à vos voisins, il faut en parler à vos frères, il faut en parler à tous ceux que vous connaissez. Dites-leur qu'il y a une grande veillée de réveil, une grande veillée de miracles, une grande veillée de révélations qui doit se tenir. Tout le monde est invité. Tout le monde est invité. Vous avez vu les guérisons qui se sont passées ce soir ici. Voilà, il y en aura de plus et de plus extraordinaire. Si vous avez des paralytiques, des gens qui n'entendent pas les muets partout que vous pouvez passer, allez-y les prendre et venez avec eux. Le Jésus que nous prêchons va les guérir. Ce Dieu va se manifester ce jour-là. Amen. La jeunesse, on se dépêche, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On vous attend, Président Gazoua. On ne peut pas retenir beaucoup les invités ici. Je vous passe le micro. Hein? Je dois vous donner le micro? Donne-le un micro, s'il vous plaît. Amen. Vraiment, en mon nom, au nom de toutes les femmes de la montagne des Oliviers et au nom de la jeunesse de l'église, la montagne des Oliviers, on veut vraiment dire bonne arrivée à notre maman. On veut bénir le Seigneur parce qu'il l'a gardée. L'accouchement s'est bien passé, elle est présente au milieu de nous. On donne le savon et puis une enveloppe. Ok. On acclame Jésus. Je souligne que les protocoles ont donné une enveloppe de 80 000. Hein? On acclame le protocole a cotisé 80 000. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Vous pouvez faire votre don rapidement. Hein? Que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur pour la vie. Alors, demain, nous irons à Trècheville, à Yélams. Oui. Donc, les serviteurs Vanus, le responsable Vanus, il faut mobiliser ton équipe pour demain. Président Gazoua, il faut mobiliser ton équipe. Prophétesse Lydie Miracle, les femmes et le protocole, tout le monde à Yélams. Amen. On se retrouve là à 14h. Alléluia. On va tous se tenir debout. Je vais laisser le micro à papa. Il va finir, il va clôturer. Oui. On lève les mains vers le Seigneur, on se tient debout. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus, je déclare que le miracle te localise. Même pendant cette prière finale, Dieu te donne ton miracle. Pendant que tu es en chemin vers la maison, l'onction te saisit sur la route et tu reçois ton miracle. Pendant que tu arrives à la maison chez toi,
tu te souviens de ce temps de prière qu'on a eu ce soir. Et l'onction te visite la nuit. Même dans ton sommeil, l'ange de Dieu t'apparaît. Amen. La grâce de Dieu et la gloire de Dieu te visitent. Ce soir, tu vas voir un ange dans ton sommeil. Avec le visage de ton pasteur, le visage de ton prophète. Amen. Tu vas croire que c'est le prophète Frank Maï. Non, ce sera Jésus-Christ de Nazareth lui-même qui se Amen. Manifeste à toi. Ce soir, ton Dieu te visite avec un miracle. Amen. Toi qui es venu et qui a toujours ce mal dans ton corps, le mal est déjà parti au nom puissant Parole de Jésus. Prophète. Je déclare dans le nom de Jésus. Ton foyer est restauré. Parole des prophètes. La maladie qui te fatigue est partie. Parole des prophètes. L'esprit de mort, le mari de nuit, le fibrome, la malédiction dans ta famille, ça s'arrête maintenant au Parole nom de Jésus. Parole des prophètes. Je déclare que cette semaine, toi qui cherches du travail, même si on dit à la crise dans la nation, hey. Toi seul, on t'appelle pour t'embaucher au nom puissant de Parole Jésus. Parole des prophètes. Toi qui attends qu'on signe le contrat, c'est déjà signé et on t'attend. Yes. Je prophétise sur ton ministère. Yes, daddy. Toi qui es serviteur de Dieu, servante de Dieu, l'onction des prophètes tombe sur toi. Parole des prophètes. Tu te connectes au surnaturel. Yes. Dieu te donne un témoignage de miracle, de résurrection, de guérison. Parole des prophètes. Que Dieu utilise ton message et fasse de toi le message. Amen. Que Dieu fasse de toi un témoignage de miracle. Parole des tu prophètes. Pars avec la victoire. Yes. Tu pars avec l'exaucement. Yes. Tu pars avec l'élévation. Yes. Je déclare la bénédiction hey. Sur l'église évangélique, la montagne des Oliviers. Je reçois. Tous les responsables, hey. Tous les pasteurs, hey. Tous ceux qui sont dans un département, uh-huh. je vous persécute avec la bénédiction. Parole des prophètes. Je vous persécute avec la faveur. Parole des prophètes. Je déclare dans le nom de Jésus yes, sir. La grâce de Dieu, hey. La saison d'accouchement et d'accomplissement. Parole des prophètes. Toi qui m'entends ce soir, hey. Même si tu es là pour la première fois, hey. Tu repars avec un miracle dans le nom puissant Parole de Jésus. Parole des prophètes. Je déclare ta saison d'accélération. Yes, sir. Toi qui as attendu 2 ans, hey. En moins de 2 heures, hey. Tu as ton miracle. Tu reçois ton miracle. Parole des prophètes. Dans le nom de Jésus. Reçois. Que quelqu'un dise cette fois Amen. 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 On se voit demain voilà. à Trècheville. Yes. Ne manquez pas le programme. Faites yes. un effort. Yes. Il y a un miracle qui vous attend. On reste en place. Demain en place. À Trècheville yes. à 14h. On reste en place. Restez les instructions avant de partir. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, restez en place. Laissez les autorités partir.